Donc, re-salam alaikum. Donc, c'est là, normalement, la troisième, la dernière partie du cours, c'est à Lyon. OK. Donc, voilà, donc, on est toujours avec les supports de transmission. OK. Donc, je suis dans les supports de transmission à cuivre. Donc, je suis dans deux types de supports à cuivre. Donc, les paires torsadées. Câble à paire torsadée ou les câbles coaxiaux. Ok. Maintenant, on a la catégorie des supports optiques. Donc, la fibre optique ou la fibre optique. Ok. Donc, on n'a qu'à une deux grandes catégories de fibres optiques, fibre optique multimode et les fibres optiques monomode. Ça y est. Donc, fibre optique multimode. Donc, je viens de le dire, ça permet donc de transmettre plusieurs signaux lumineux dans la même fibre. Ok. Utilisant différents modes, c'est-à-dire différents angles de réfraction. Donc, ces fibres optiques peuvent atteindre des débits donc importants, jusqu'à 1 gigabit par seconde. Mais à cause de leur cause de l'atténuation du signal, donc utiliser ces fibres uniquement sur des distances de 1 km au maximum. C'est pour ça que ces fibres sont recommandées. Au niveau des réseaux locaux à très haut débit. OK? Donc maintenant, on passe aux fibres monomode. OK? Donc, en monomode, ces fibres permettent de transmettre qu'un seul signal lumineux à la fois. OK? Et la trajectoire, il faut préciser là que la trajectoire du signal est l'axe de la fibre. OK? Donc, le signal en a, il faut l'axe du cœur de la fibre optique. Okay. Donc maintenant, il faut, on va pas utiliser des réfractions, non. Il faut utiliser un laser ou un faisceau laser. Okay. Donc assez puissant, parce que le laser il est assez puissant, okay, pour justement transmettre donc le signal à l'intérieur de le signal lumineux à l'intérieur du cœur. Okay. Donc maintenant, on peut atteindre des débits très importants. Donc, plusieurs dizaines à quelques centaines de gigabits par seconde. Okay. Actuellement, on peut atteindre même des téra bits par seconde. En ce qui concerne les fibres donc, intercontinentales reliant plusieurs continents. Okay. Et donc, non seulement le débit qui est important, mais aussi on peut utiliser ces fibres donc, sur de longues distances. Okay. Parce que donc maintenant le signal donc il est plus fort, ok, donc il s'atténue, mais après de longues distances, chiquement les fibres optiques multimodes où il faut régénérer le signal à travers les amplificateurs et des répéteurs après 1 km. Sinon, on peut atteindre les 80 km, ok, avant de régénérer le signal lumineux, ok. Donc maintenant, le coût, bien sûr, il est donc plus important. Donc, les fibres optiques monomode sont plus chères par rapport aux fibres optiques multimode. Okay? Surtout à cause du faisceau laser qu'on doit utiliser aux deux extrémités de la fibre pour pouvoir justement générer un signal très fort qui peut atteindre des kilomètres. 80 km, okay, avant de s'atténuer. Okay. Le faisceau laser ADAC, dispositif, il est donc assez sophistiqué et avec un coût donc assez important. Okay. Donc, quand on chauffe le cœur au niveau d'une fibre optique monomode, il est très fin, 8 à 10 microns maximum. Okay. Justement, c'est le fait qu'il est moins épais. Okay. Qui permet de faire passer le signal lumineux exactement à l'axe du cœur. Okay. Voilà. Donc, la fibre optique, donc elle permet des communications bidirectionnelles simultanées, c'est-à-dire une fibre dédiée à la réception, une fibre dédiée à la transmission. Okay. La fibre optique, c'est un
support transmission qui est quoi? Full duplex. Full duplex, bien sûr. OK? Donc, on a une fibre, la fibre, dit toujours fait un, d'accord, il y a deux fibres d'accord, si vous voulez. OK? Ouada pour la transmission, ouada pour la réception. OK? Bien sûr, il faut à chaque extrémité de la fibre, il faut des connecteurs. OK? Donc, il y a plusieurs connecteurs. La fibre optique qui ne sont plus utilisées. OK? Bon, j'ai cité les deux connecteurs plus utilisés. Connecteur SC, ADA, qui se trouve à votre droite. OK? Donc, il y a le plastique, l'ergo ADA. OK? Pour bien donc, brancher la fibre. OK? OK? L'autre type de connecteur, c'est les connecteurs ST. Okay. Donc, fait un bout à visser au niveau de l'équipement. Okay. Donc, système à baïonnette à visser au niveau de. Bon, on a les fibres qui marquent le groupe. Les fibres donc, permettent de relier donc, des réseaux locaux, différents réseaux locaux, okay, où il y a des MAN distants. Okay. Donc je passe d'un routeur à l'autre routeur, ça sur de longues distances. Okay. Ça, le routeur, moi je manipule le routeur, c'est un équipement électronique, donc il manipule de l'électricité. Alors je dois convertir donc, cette électricité en signal lumineux. Donc maintenant on utilise des convertisseurs, ce qu'on appelle des convertisseurs. Okay. Donc, avec le conversion que j'ai fait, c'était un petit boîtier. Il fait le câble à part torsadé à travers un connecteur RJ45. Ou bien, de l'autre côté, tu as le boîtier avec un connecteur pour la fibre optique. Soit RJ-ST ou le ST ou d'autres connecteurs. OK? Maintenant, l'installation des fibres optiques, elle est donc, n'est pas aussi simple que l'installation des câbles à part torsadé. Okay. Il faut un équipement vraiment spécial parce que la capitale câble torsadé, les fils chauffants, tu peux les toucher. Par contre, la fibre optique, comme le corps quelques dizaines de microns, on ne peut pas le voir à l'œil nu, on peut le manipuler. Il faut des machines spéciales. Okay, là, par exemple, une tire la fibre optique. Par exemple, je vais prendre l'exemple entre Oran et Tlemcen. Okay, on va tirer une fibre optique. Quand je roule, tu as fait 120 km de fibre optique. Non. Ok. Quand il roule, fait, par exemple, je vais 500 mètres, là, 800 mètres. Une fois que je mets avec le rouleau, je dois utiliser un autre rouleau. Ça, je dois souder entre les fibres. Et comment souder? Moi, je ne peux pas le faire manuellement, à l'œil nu. Il faut utiliser des machines, ce qu'on appelle des machines à souder, des fibres. Ok. Donc, à d'où. Très sophistiqué, donc traite les deux extrémités des deux fibres, ok, je trompe dans la machine à dire, oui, bah, de calibrer, après quelques minutes, de calibrer, de souder, ouais, d'où les machines sont très coûteuses, hein? Ok, on a acheté donc, coûte presque, fait 500 millions, entre 500 et 1 milliard. Okay. Donc, il y a des entreprises justement spécialisées qui investissent dans ce type de machine, mais le retour sur investissement il est garanti parce que, bon, garanti, mais ça m'échit, bon, après quelques années, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ce savoir-faire, okay, dans le déploiement de la fibre optique. Okay. Donc, c'est vraiment un savoir-faire donc, assez pointu. Donc, il n'y a pas beaucoup de boîtes, d'entreprises spécialisées dans l'installation des fibres optiques. OK? Il y a des fibres optiques continentales, hein, sur Terre. OK? Maintenant, les fibres optiques intercontinentales, si on doit passer par les océans, là, par les mers, OK? C'est autre chose. Là, c'est d'autres. Au niveau mondial, il y a 3 ou 4. OK? Parce que il faut donc déployer donc, la fibre sous l'océan, sous la mer,
où genre, la soudure n'est pas évidente, etc. Okay. Donc voilà. À peu près voilà tout ce qui concernait les fibres optiques. Okay. Donc actuellement même le coût il devient donc très très intéressant. Okay. Parce que la technologie de la confection de la fibre optique est donc assez maîtrisée. Surtout les Chinois, okay, qui ont beaucoup d'usines de fabrication de la fibre optique. Donc plus il y a la concurrence, plus il y a de l'offre, plus l'offre est abondante, okay, plus le coût, bien sûr, le coût devient donc plus intéressant. Donc, des questions par rapport à la fibre optique? Genre l'FTP, donc, comme un bout de fibre optique avec quelques connecteurs. Donc, mais je vois réellement qu'est-ce que c'est qu'une fibre optique. Pardon. Donc, on continue. Donc, nous maintenant, il faut la troisième catégorie. Bon, avant, il faut les avantages, les inconvénients de la fibre optique. OK. Les avantages sont donc assez évidents. Donc, un début, enfin, pardon, des débits donc, très importants, très haut débit, avec la fibre optique. Pourquoi? Bien sûr, parce que pendant le signal qui est transmis, c'est un signal lumineux et on connaît la vitesse de la lumière. OK? Donc, il n'y a pas plus rapide que la lumière. OK? C'est des supports qui sont très légers, fibre optique est très légère, je vous vois. Immunité au bruit, ok, elle est bien blindée, donc en plus le signal c'est un signal lumineux, donc il n'y a pas d'interférence par rapport à l'électricité, ok. Faible atténuation du signal, même sur de longues distances, surtout pour la fibre mono monde, ok. Bon, bien sûr l'inconvénient par rapport aux autres supports, c'est le coût qui est plus élevé. Donc c'est pour ça que la fibre optique est utilisée. Uniquement quand on a vraiment besoin de la fibre optique, c'est-à-dire connecter des sites assez éloignés. On va pas donc s'amuser à utiliser de la fibre dans un réseau local, sauf si vraiment on a un réseau très sensible, ok, où on tolère pas les erreurs dans transmission. Donc alors on peut utiliser la fibre optique multimode surtout dans un réseau local. Mais généralement, les réseaux locaux, on utilise uniquement de la paire torsadée. Okay. Maintenant, pour connecter les sites distants, donc on utilise la fibre optique. Okay. Par exemple, on a en Algérie, même dans les autres pays, okay, on investit dans une fibre optique, par exemple, qui va sonner le gaz. La plupart des villes algériennes, elles connectent ces différentes succursales ou les différentes agences à travers la fibre optique. Okay? Tu veux laisser la santé à la fibre optique, c'est la santé bon, souterrain, donc il faut les interpréter. Okay? Tu veux l'épaisseur qui est une machine spéciale avec une épaisseur de 15 cm, 20 cm maximum. OK? Juste l'espace pour faire passer la fibre. OK? OK, mais tu fais les travaux, les fibres, l'épaisseur serre. C'est pour la fibre optique. OK? Sur le gaz, surtout, elle a investi la fibre optique pour connecter ces différentes agences. Ça, si sur le gaz va utiliser la fibre optique uniquement pour ses besoins, c'est-à-dire pour la communication entre les différentes agences, elle ne va pas donc rentabiliser le coût d'investissement. Il faut qu'elle loue, doit louer la bande passante de sa fibre optique aux autres entreprises. Okay? Sinon, donc, ça ne devient pas rentable. Parce que donc, installer une fibre optique sur de longues distances, il faut le partager, il faut louer cette fibre optique justement pour rentabiliser son investissement. Okay. Voilà, donc on passe aux troisième famille,
Troisième grande famille des supports de transmission. Donc, je suis dans les supports en cuivre, les supports la fibre optique. Troisième famille, c'est le sans fil, où là, les supports hertziens. Okay. Donc, à la gauche, où est le support flécé, le sans fil, c'est l'air. L'air, où est le médiataire, le support talon. Okay. Où est le vide? L'air, où est le vide, où est le support talon. Okay. Donc, là, en utilisant, bien sûr, la transmission des ondes électromagnétiques, okay, ce qu'on appelle l'espace hertzien. Okay. Il y a plusieurs types d'ondes électromagnétiques en fonction de leur fréquence. Okay. Et chaque fois que je change de fréquence, je peux donc atteindre des distances plus importantes. Okay. Il y a tout d'abord les standards, sans fil, utilisés les pannes. Ou les WPAN, Wireless Personal Area Network, okay. Qui met le Bluetooth. Okay. Bluetooth, déjà, je peux l'utiliser pour les véhicules. Le réseau actuellement, mais les véhicules, j'ai fait le Bluetooth, même quand j'ai fait le Wi-Fi, partage de Wi-Fi. Donc, je peux considérer un véhicule comme un PAN, non? Okay. Parce que c'est un réseau personnel. Donc, maintenant, on utilise le Bluetooth. Qui est le Zigbee aussi, qui est donc dernièrement qui est très utilisé. Okay. Mais Hadou Kamel a usage personnel sur de petites distances, véhicule ou là une maison. Okay. Quel est le Wi-Fi que vous connaissez tous? Okay. Donc, utilisez FLE, WLAN, les WPAN aussi. Okay. Donc, Wireless Local Area Network. Okay. Donc, Wi-Fi, je peux l'utiliser à l'intérieur de ma maison, quand je peux l'utiliser au niveau des entreprises qui m'offrent les containers, qui ont des points d'accès Wi-Fi. Okay. Donc, la distance, c'est quelques dizaines à quelques centaines de mètres. Okay. Qu'il y a les réseaux sans fil au niveau d'une ville, ce qu'on appelle les WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, okay, qui m'a le WiMAX. Donc, quelqu'un WiMAX, avant mais j'ai le 3G, la 3G. La WiMAX, ok. Donc c'est un grand réseau Wi-Fi si on veut. Wi-Fi sur de longues distances, ok. Quelques dizaines de kilomètres. Ou bien sûr, un bad les WMAN, Wireless Wide Area Network, ok. Ou le GSM, la 3G, la 4G, la 5G, etc. Ok. Donc maintenant, chaque standard de réseau sans fil a sa propre fréquence. Okay? Et en fonction de sa fréquence, est-ce que on peut dire est-ce que donc le signal sera donc avec le standard, est-ce qu'il est vulnérable ou non ou aux interférences? Okay? Ce qui met le Wi-Fi qui est plusieurs catégories de Wi-Fi, hein, qui est la catégorie G qui est très utilisée actuellement, enfin qui est ancienne, la plupart des mélanges, les cartes réseau d'Amchoua Wi-Fi, ou les routeurs, ou les ports d'accès Wi-Fi, qui ont une catégorie G. Okay? Donc, on a que théoriquement, c'est une zone, un rayon une cellule de son qui est de 100 mètres. Okay? Ça, réellement, c'est pas 100 mètres, c'est moins. Donc, s'il y a un mur, déjà, le mur va causer beaucoup d'interférences. Okay? Donc, ça va donc réduire le rayon le signal. Okay? C'est à la portée du signal. Okay? Mais maintenant, avec le Wi-Fi catégorie N-HADA, donc maintenant, on peut atteindre vraiment les 100 mètres, voire plus, même avec des murs, okay, de séparation. On peut atteindre ces distances. Ça, il faut que le routeur, tiens, comme le modem Wi-Fi routeur, les micros catégorie 1, Wi-Fi catégorie 1, ou la carte réseau, t'as comme catégorie 1. Il y a comme le routeur, catégorie 1, ou la carte Wi-Fi, t'as comme t'as le PC, ou t'as le smartphone, catégorie G. Ça, et donc vous allez utiliser le catégorie G. Okay? Le catégorie G, maximum le Wi-Fi, le débit, la bande passante maximum, à l'intérieur du réseau, hein, c'est 54 mégabits par seconde. Par contre, la catégorie 1, on peut atteindre jusqu'à 200 mégabits par seconde. C'est donc supérieur au. Bon, la perte d'orsadier qui est une bande passante théorique de 100 mégabits par seconde. Okay? Comme maintenant, il y a la bande passante. Débit, c'est autre chose. Donc, il y a une bande passante d'artec.
entre les équipements TAC, 200 mégabits par seconde. Ça, la connexion TAC Internet, 2 mégabits par seconde, vous allez télécharger à moins de 2 mégabits par seconde. Même là, la carte réseau TAC, elle peut donc atteindre des débits jusqu'à 200 mégabits par seconde. Puisque la connexion Internet TAC, c'est 2 mégabits par seconde, vous allez, bien sûr, toujours, on va se référer à la bande passante minimale. Oui. Ok. Pour la même chose, il y a qui est comme Wi-Fi, plutôt le modem routeur comme catégorie 1, jusqu'à 200 mégabits par seconde. Ça, la carte réseau comme Wi-Fi, elle est de catégorie G, donc vous allez travailler avec 54 mégabits par seconde maximum. Ok. Donc toujours un petit peu serré, c'est normal. Donc voilà. Maintenant, bien sûr, toujours, comme on l'a fait avec chaque catégorie de support transmission, on va dresser les avantages et les inconvénients. Les avantages des réseaux sans fil. Donc, bien sûr, c'est l'avantage, le premier avantage qui est important, c'est la mobilité. Donc, degré de liberté assez important. Okay. Facilité de déploiement. Facilement, je prends, on n'a pas de fibre à tirer ou des câbles à tirer. Okay. On installe le point d'accès et on se connecte directement. Okay. Donc, les inconvénients. Donc, l'inconvénient majeur, c'est les réseaux sans fil, c'est par rapport à la sécurité. Okay. On a le support, le réseau sans fil, c'est l'air, le vide. Okay. Tout le monde a accès à l'air et au vide, donc tout le monde donc, peut intercepter okay, les signaux donc, échangés dans un réseau sans fil. Donc, celui qui a donc, la clé de décryptage okay, peut décrypter, malheureusement, peut décrypter donc, le signal. Et peut donc le déchiffrer, l'interpréter, et peut agir en conséquence. Pour les pirates ou le hacker, ok. Donc, c'est leur, donc, si on veut, leur terrain préférentiel, les réseaux sans fil, ok. Parce que, comme donc, le média les OLR, il est partagé. Donc, s'ils ont les clés, qu'il faut pour décrypter, donc ils peuvent agir en conséquence, ils peuvent donc causer beaucoup de problèmes d'ordre de sécurité par rapport aux autres utilisateurs. Okay. Et un autre inconvénient des réseaux sans fil, c'est que les réseaux sans fil sont très sensibles aux interférences. Okay. Donc s'il y a un mur, okay, ou là une séparation, okay, ou là d'autres réseaux qui sont proches, ok. Réseau en utilisant la même fréquence ou la d'autres fréquences, ok, peuvent donc interférer fortement sur la qualité des transmissions, ok. Mais actuellement, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de développements qui se font le sans fil, ok. Actuellement, pour vous donner une idée, même les réseaux dont je vous parle, les réseaux locaux industriels, qui okay, au niveau des usines, qui okay, utilisent le Wi-Fi, pas plutôt. Le sans fil, c'est pas le Wi-Fi, c'est pas le standard Wi-Fi, un autre standard, mais utilise le sans fil, ok? Parce que donc le sans fil a été très développé, donc les nouvelles technologies sont donc moins vulnérables aux interférences, ok? Et donc même la sécurité, ça reste toujours un inconvénient, donc malgré les stratégies de sécurité, les algorithmes de décryptage, etc. Mais puisque donc tout le monde peut qui est proche peut accéder, donc peut intercepter les différents signaux qui circulent, donc il peut toujours il y a deux endroits genre il y a des maths éligibles la clé de décryptage où il peut donc causer beaucoup de problèmes, ok. Mais comme actuellement le sans fil, il s'impose vraiment donc au niveau domestique, au niveau des particuliers, donc ça c'est incontournable, tout le monde a donc le sans fil, utilise le sans fil, ok. Et même au niveau donc industriel, les mécaniques industrielles, vraiment, c'était tout était câblé. Donc, même maintenant, donc, on utilise le sans fil. Ok. Donc l'industrie 4.0, d'ailleurs, donc on utilise beaucoup de marchés industriels. Toutes sont équipées de cartes réseau de sans fil très très performantes. Ok. Voilà donc en ce qui concerne les réseaux sans fil. Donc, rapidement, on va citer un autre support
de transmission, je ne sais pas si vous le connaissez, le CPL, okay, courant porteur en ligne. Okay. Donc le CPL, il va utiliser l'existant, bon, utilisé à usage domestique, hein, à usage professionnel, usage particulier à l'intérieur d'une maison. Okay. Donc le CPL va utiliser, va exploiter donc, le réseau électrique qui est déjà installé au niveau de la maison. Okay. Pour faire passer, puisqu'on a les informations qui circulent sur le réseau informatique, c'est un signal électrique. Okay. Donc, autant utiliser le réseau électrique de la maison. Okay. Pour justement l'utiliser comme support de transmission. Mais là, il faut des modulateurs, des modulateurs. Okay. Dis-moi les CPL. Donc, installer une prise. Donc, supposons que Andy, par exemple, voilà, le modem TI, le routeur, même s'il est Wi-Fi, ok, mon bureau où j'ai installé mon PC, le signal Wi-Fi, je peux utiliser le CPL. Ok, donc je vais acheter deux prises CPL. Donc, une prise installée à côté du modem, une autre prise installée à côté du PC. Ok. Donc, je branche le modem, un port RJ45, parce que le modem, j'ai généralement, le modem, comme j'ai fait 4, généralement 4 ports RJ45. Je vais installer un câble, brancher un câble, un port, installer la première prise CPL, okay, qui se trouve à côté du modem. Ben, je fais la même chose, la deuxième extrémité, donc à côté du PC, installer la prise CPL, installer un câble. Donc, un porteur SRD à travers le port RJ45, je le branche au niveau de mon PC. Et maintenant, j'ai le réseau qui passe à travers le réseau électrique, j'ai mon réseau informatique qui passe à travers le réseau électrique de la maison. OK? Donc, là, justement, les prises CPL, le rôle, c'est de moduler, démoduler. OK? Donc, ils vont moduler le signal réseau, des RGM du modem, à travers, donc, un changement de fréquence ou la modulation qui manque là, c'est largement un changement de fréquence, d'amplitude ou de phase. Il faut être le réseau électrique. On bat, il hack la prise CPL, la deuxième extrémité, qui va faire l'opération inverse. Elle va démoduler le signal, okay, ou transmettre le câble avec RJ45, ou il hack le PC. Okay? Donc, à c'est à usage domestique. Okay? L'inconvénient, bon, l'avantage, c'est que simple à déployer, installer directement les prises CPL, ben, la configuration de relou, installer directement. Okay. Bon, l'inconvénient, c'est les interférences. Okay. Pourquoi? Parce que le réseau électrique, déjà, là, opérationnel, là, il faut faire le 220 volts, donc c'est le courant fort. Donc, il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup d'erreurs de transmission. Okay? Malgré la CPL, c'est très, très récent en technologie. C'est à partir de 2006-2007. Okay? Mais actuellement, ne sont pas très, très utilisés parce que, vu le développement, le sans-fil, le Wi-Fi, okay? Donc, les emplacements, les canaux, accéder au Wi-Fi. Okay. Maintenant, on peut le faire grâce aux nouvelles technologies de Wi-Fi, surtout la catégorie N. Donc, les CPL ne sont pas très, très utilisés actuellement. Mais ils ont tendance à disparaître carrément. Okay. Donc, voilà donc, tout ce qui concernait les différents supports de transmission. Donc, et avec ça, normalement, on a terminé avec la couche physique. Prochaine séance, on va entamer directement la couche liaison donnée. OK? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Non, c'est clair, monsieur. Merci. C'est clair, Très monsieur. bien. Très bien. Donc, regardez comme ça. Hein. Donc, normalement, avec ça, donc, on a terminé la séance d'allium. Je vais vous envoyer bien sûr l'enregistrement sur votre boîte email. Okay.
Et donc, voilà, donc rendez-vous sur la prochaine, mercredi, toujours, même heure, parce que de 11h, je crois. Donc, bon appétit et à mercredi prochain. Inch'Allah, bon après-midi, monsieur. Merci, monsieur Haftar. Salam alaikum. Ahem.